Salut, salut à tous et à toutes, c'est Astaroth. On se retrouve pour déjà vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et tout ce qui va avec, et un petit peu de sous aussi, c'est quand même important. Donc c'est le 28e épisode sur Borderlands 2 pre-sequel. Non, je veux pas télécharger le pack pour jouer à plusieurs. Pas pour le moment. Donc on va continuer notre histoire. Ça fait un moment que j'ai pas tourné puisque vous avez dû voir que ma dernière vidéo a été postée le 23 décembre, ce qui est quand même il y a trois petites semaines. Alors, nous y revoilà. Hop, faut le temps que je m'y retrouve. Ouais. Ok. Ok, donc faut que je descende. Tu es le troisième ministre. Je me rappelle. C'est bon. Je me rappelle bien de cette mission-là. Mission casse-couille, tu m'avais bien pété les couilles. Voilà. C'est bon. Bon. Ouais. J'ai touché. Ouh là là, pour le temps que je m'en mette dans le... Ça va pas être facile. Oh là. Je suis venu les ennemis. Bon. Il n'empêche que c'est pas pour ça que je te dis. Oh, génial. Nous avons découvert une arme à Bordelios, un laser d'une puissance inimaginable. À cause de la cupidité d'Hyperion et de son ignorance, nous ferons ce que nous avons à faire. Ce soir, nous prendrons Helios. La lune de Pandore tombera. Super. Va au panneau des primes et envoie ce que t'as trouvé. Une fois que ce sera fini, Jack pourra s'estimer heureux s'il arrive à quitter Hyperion autrement que les pieds devant. Je crois pas que ces enregistrements audio contiennent des preuves vraiment incriminantes. Toi, qu'est-ce que t'en sais? Rapporte-moi ça. J'étais au bon endroit, fameux. Allez, salut, Jackie. Tes jours sont comptés. Bon, alors j'en suis au niveau quête, mission, etc. Voilà. Niveau 24, je suis niveau 22. Ça va être un peu tendu. Tant pis, on va essayer quand même. Ah. Alors ça c'est fait. Yep. Yep.
fait péter un robot. Quoi ces dégâts? Un peu plus d'attention. Voilà, mort. Un putain de morceau. L'œil est juste là, mais ça m'a l'air un peu trop simple. Je m'attendais à plus de résistance. À fusion pas loin qui alimente le champ de force. Si tu arrives à le couper, le champ devrait disparaître. Ah, aujourd'hui je fais que des conneries. Mille fois mieux. Je suis trop mignon pour mourir. Merde. Je tenais pas à finir en pièces détachées. Le réacteur à fusion est caché derrière un panneau. Quand tu l'auras fait apparaître, tu verras. Ça ressemble à des boîtes rouges et bleues. Chose de faite. Très bien, c'est un mini réacteur à fusion HY26. Pour le désactiver, il va falloir endommager le refroidisseur bleu, mais surtout pas les charges thermiques rouges. Hyper facile. D'après les plans, il devrait y en avoir trois autres du même type. Donnez encore une petite fessée à deux d'entre eux et vous devriez pouvoir atteindre l'œil pour le désactiver. Message bien reçu. Ah, ça c'est pas mal, j'avais pas vu jusqu'ici. Ça va être utile.
Oh bah punaise. Ouais, c'est ça. De l'énergie, du mini-tap et de la grande classe. Les effets de l'énergie. C'était... Voilà. Quand même. Non, personne. Méo. Je décolle. On est en plein milieu d'une guerre. On va se permettre de regarder ce qu'on a comme arme. Déjà. Alors qu'on a rien pour vendre. L'heure a sonné, oui, oui. Ah.
bazooka. Qu'est-ce que je peux faire? Merde, faut jeter autre chose. Ce qui s'était passé, mais bon. Allez, on va recharger. Donne tout ce que t'as.
Explosion de vitesse. Pour le colonel et la légion. Défragmentation. Je ne peux plus m'arrêter. Voilà. C'est moi ou que le fractable vient de citer Johnny. On n'arrête plus notre ascension, c'est fou. On va arrêter quand même pour recharger. Principal. Il sera plus difficile à détruire. Alors prépare-toi à faire un peu plus d'efforts. C'est le gros réacteur. Accède au système et il commencera à drainer l'alimentation du champ de force. Mais fais attention. Quelque chose me dit que ça va être un bazar. De l'alimentation du champ de force. Ok, tiens bon. Ce réacteur a une très grande capacité. Une fois vidé, le champ de force disparaîtra. Vous n'atteindrez jamais le noyau du laser. Soldats, tirez! Ça perd de la puissance. Tenez bon jusqu'à ce qu'il soit désactivé et ne les laissez pas le relancer.
prend beaucoup trop longtemps. Lilith, Roland, les relais de surtension doivent alimenter le réacteur. Détruisez-les. Tiens bon, soldat. J'ai rien compris à ce que tu racontes, mais on va tirer sur des trucs. Chargement des paquets de combat. Attention, je vais faire un flic super gentil. Roland, Lilith, il faut que la voie soit grande ouverte ou ça va être le bordel. On y travaille. Et déjà aussi, le bordel. J'ai entendu. Fais-le, c'est tout. Ils veulent vraiment pas se laisser faire. Ça va prendre un peu de temps. Je sens bizarre. Eh ben écoutez, pile dans les temps, ça fait une demi-heure qu'on tourne, je vais vous dire à très bientôt. Moi je continue à filmer pendant que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite, pour moi, et à bientôt pour vous.